Salut à toutes et à tous, c'est Abyss. Aujourd'hui on se retrouve sur Aftermath, les nouvelles maps, la nouvelle DLC qui vient de sortir. Et cette fois-ci nous sommes en ruée. Et ça commence bien, un petit M320 dans ma tête, dans mon Phoenix, bref. Donc aujourd'hui, donc, comme je le disais, nous sommes en ruée sur la map Epicentre. Donc je n'ai jamais joué en ruée sur Aftermath. Et donc là visiblement je suis en attaquant, je vais essayer de jouer un petit peu à l'arbalète pour vous montrer... Si je vais arrêter de me faire gangbang, excusez-moi, c'était vraiment pas prévu du tout, mais là, je pensais que c'était safe, je voulais protéger un petit peu le point. Mais bon, bref. Donc ces maps vraiment sont très belles. J'étais assez surpris sur notamment Marché de Tala. Vraiment, j'ai trouvé ça assez beau, les particules, etc. Et c'est vraiment très bien pour BF3, vu que de nombreux joueurs se plaignaient un petit peu. Excusez-moi la grenade, j'ai fail un peu, je me suis cru sur Far Cry. Elle a touché. On va monter avec l'arbalète. Ah, on va 13, hop là. Donc l'arbalète, vous voyez que j'ai 3 carreaux, enfin 4 carreaux plutôt. Donc là je vais mettre le carreau en appuyant sur V, le carreau équilibré, c'est-à-dire qu'il a une bonne portée et une bonne puissance de feu. Enfin de feu entre guillemets quoi, la décroissance de la balle, l'inertie de la balle pardon, ou de la flèche ou du carreau est moins importante. Donc là je joue à la M16 en médecin. Oh là là, je prends très cher. Allez toi t'es vivant. Je fais des bacs par là, je sais pas si on peut, mais visiblement il y avait quelqu'un, même si les points sont pas du tout là. Je vais essayer de le bac. Allez go, en même temps je récupère la life, c'est parfait. On est passé là. Hop. Ouais. En fait, je vais repartir par là. Donc vous voyez que là on est sur la map puissante, donc normalement il peut y avoir des tremblements de terre. Bon, sur toutes les maps vous me direz. Mais sur cette map en particulier, surtout. Hop là, petit shot qui passe bien. À l'arbalète, ça one shot. Hop là, toi aussi. Allez, go. On va essayer. Ah, vous voyez là le petit tremblement de terre. Vous voyez comme ça tremble. Voilà, et bah c'est ça, Aftermath. Des tremblements de terre. Bah, quand c'est pas prévu, c'est vraiment un post-apocalyptique un petit peu. Je vais reprendre le terme exact de WarZ, même si c'est pas du tout ça, mais... En même temps, je parle, mais je fais n'importe quoi. Donc, je pense vous redonner des vidéos un petit peu sur Battlefield 3, avec la sortie de Aftermath, bien évidemment. Avec le nouveau mode pillard, etc. C'est vraiment sympathique, et avec la team et tout, en plus ils ont mis des nouvelles missions, c'est... Ça donne vraiment envie de jouer, hein, je vous l'accorde. Même si en ce moment je suis vraiment très occupé, ne serait-ce par mon boulot, j'ai beaucoup de taf en ce moment pour l'école. Et aussi pour... simplement parce que je joue un petit peu à Far Cry. Et Far Cry va prendre beaucoup de temps, je l'ai fini et je joue un petit peu le multi, vous voyez. Allez, saute, voilà. Oula, vous avez entendu la petite flèche qui m'a rasé, hein, les moustaches. Ah, lui, il m'a gangbang. Bon, je fais de deux, je joue pas beaucoup les objectifs, mais vous me direz en face, c'est quand même du lourd. Donc voilà, c'était juste pour vous dire aussi que je n'arrêtais pas les vidéos BF3, loin de là. Et voilà, ça va continuer. Tiens, toi bouffe ça. Je vais armer, vous savez quoi. Cher. Oh la belle défense. Ah purée. Dommage. Bon là je me mets à la M16 puisque on est un petit peu dans les combats qui sont beaucoup plus intenses. Même si vous me direz, je vais me mettre à l'arbalète. Tout de même. Oula. Et voilà, ça a pété, c'est terminé. Eh bien excusez-moi de faire une petite coupure dans la vidéo, mais à ce moment-là j'étais un petit peu sceptique. Est-ce que je mets en ligne la vidéo ou est-ce que je la mets pas?
Donc j'ai tout simplement recommencé un enregistrement sur la partie d'après. Mais la partie d'après c'était un petit peu pareil, une petite gameplay de 5 minutes. Et donc au final j'ai décidé de tout simplement eh bien, de réunir les deux vidéos et pour en faire une seule. Donc en gros il y a une attaque et une défense. Et donc excusez-moi si je me répète un petit peu dans la deuxième vidéo, mais bon, enfin dans la deuxième partie. Parce que tout simplement parce que j'avais prévu d'en faire une vidéo en elle-même. Donc excusez-moi et je vous dis bon visionnage et à la prochaine. Du petit fail au début, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, pourtant les maps je les connais, j'ai joué un petit peu dessus mais jamais en ruée. Donc aujourd'hui c'est une petite découverte en ruée, donc je me suis muni de la M16 et de l'arbalète, donc je vais essayer de vous faire un petit gameplay à l'arbalète, voilà tout simplement. Oh! Oh lui de marqueur! Oh lol! Eh ben purée, je vous promets que ça commence bien parce que là. Voilà par contre vous avez mis du C4 sur le fly. Oh purée, si j'avais fait le kill là, vraiment magnifique. Donc je joue à l'arbalète pour un petit peu vous montrer un petit gameplay. Donc je me suis juste muni de l'arbalète normale, donc pas de lunettes, puisque je la trouve un petit peu mieux, etc. Bref, ça c'est une question de goût. Oh, qu'est-ce que je prends là? Hey, on l'avait pas vu lui, hein. Et ben moi je l'avais vu à sa fenêtre là. Ah purée, j'ai tiré au même moment. J'ai mis énormément de temps à le tirer dessus, vous me direz. Merci Sou de m'avoir réanimé. Ah mais purée, mais j'arrive pas. Allez, merci encore. Merci, merci, merci. Oh mais c'est pas vrai. Je me fais enchaîner quoi. Allez Sou, réanime-moi, s'il te plaît. Ah purée, lui il se fait plaisir, 3 kills, 3 fois moi, c'est super. Allez, on va peut-être juste reprendre la M16 pour le tuer, vous voyez. Donc là on est bien en place dans les bâtiments, c'est pas mal. Donc je suis assez surpris des qualités des maps dans Aftermath, c'est vraiment vraiment super. Surtout dans le marché de Tala, on a des effets de particules qui sont vraiment vraiment très 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 très, très sympathiques. La petite greu. Oh, j'avais pas vu à l'étage. En fait, ils sont tous dans ce bâtiment, j'ai l'impression. Même si lui, il est mort. Ouais, donc je disais que les maps sont vraiment, vraiment très réussites. On reprend goût vraiment, vraiment à jouer à Battlefield. Avec des nouvelles missions, etc. Pardonnez-moi. C'est vraiment très, très plaisant de jouer à cette nouvelle DLC, tout simplement. Donc voilà, ça c'est dit pour les graphismes, etc. C'est magnifique. Ensuite. Là je joue à l'arbalète normale, donc comme je l'ai déjà dit. J'ai aussi, je peux changer les carreaux avec V. Vous voyez que là je peux prendre par exemple le carreau explosif. Je vais vous montrer ça tout de suite, regarde, hop. Boum. Voilà. C'est pour vous montrer ça. Donc je vais remettre mon carreau comme ça. C'est un petit peu un carreau, on va appeler ça carreau sniper, vu que il a une plus grande portée. Et donc c'est-à-dire une moins d'inertie sur la balle. Hop là, petit headshot qui passe bien. Et j'ai débloqué la plaque Guillaume Tell qui fallait, il me semble, totaliser 150 mètres de headshot et aussi 50 kills à l'arbalète. Et voilà. Ah, toi je t'ai raté. Ah, là je vise un petit peu trop bas, je pense. Ah, il me l'a mise. Alors là, mec, bien joué. Je pensais pas que tu m'avais vu, tu vois. Eh ben si tu m'avais vu, tu t'étais à l'arbalète à la lunette, forcément, t'es plus précis que moi. C'est normal. Vous savez quoi, je vais la prendre aussi. Paf paf, allez, go, c'est parti. On va respawn sur mon ami Monster FR. Avec la M16 pour l'instant. Toi, je t'ai raté. C'est pas grave. Allez, hop. Je l'ai pris très 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 cher en décalant. Je vais plutôt là c'est bien, on est bien en place. Je vais plutôt passer par là. Là je vois que dans le bâtiment d'en face là, juste derrière là, ils sont beaucoup. Ah purée toi, j'ai dû te laisser à 3-4% facilement, 6%. Oh, c'est pour une balle, il meurt même pas. 80, je sais plus combien d'assist. Allez, hop, non, Monster, t'es trop loin. On va respawn bah, là-bas, je crois, parce que. Ou sur Monsieur Stou, mais il est un petit peu.
Votre galère, j'ai l'impression. Oh là là, ça pète de fort. Hop là, le petit coup d'arbalète qui passe bien. Hop là, le petit tire à la M16 qui passe bien après. Alors lui là, un petit cut ou pas? Non, purée le SpongeBob encore. Un petit res maybe, merci. Allez, toi aussi je vais 13 mon camarade là. Ah non, t'es de l'autre côté, ça va être chaud. Hop là, t'es vivant. C'est tout aussi. Voilà. Là, on est plutôt bien en place. On voit qu'on perd pas les points. Ah non, il est mort. Je descends de là, ça pue vraiment trop. Donc, pour revenir à l'arbalète, c'est là je la mets à la place de mon medikit. Oula, 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 oula. Je le mets à la place de mon medikit, donc en bouton 3. Ce qui me permet d'avoir quand même mes défibrillateurs, etc. Et de pouvoir tirer sur les chars. Je vais mettre mon carbone explosif. Hop là. Trop tard. Lui est mort. Ça désarme, c'est bien. Oula, little bird. Excusez-moi si je suis un petit peu lent, etc. dans mes déplacements, mais je connais pas trop trop les maps encore. Enfin, j'ai joué un petit peu, mais en ruée, jamais. Et là, c'était un point que je vais rarement. Je crois que c'est vers les points C ou D. Hein. Oui, bien écoutez, je pense que ça vous aura plu, c'est deux petites parties, et je vous dis ciao à la prochaine, quand ce sera fini, bien évidemment, car là, je crois pas que ça va péter, tout simplement. Ah si, il tente une dernière offensive. Hop là, tac. Et voilà, c'est terminé. Nous sommes encore une fois victorieux. Et bien voilà, c'est fini, donc je vous dis ciao à la prochaine, portez-vous bien, cette petite partie ruée bien tranquillou, voilà. Allez, ciao à la prochaine, et à plus pour une nouvelle vidéo, bye bye.